Bonjour à tous. Alors, je suis là pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais, je suis très déçue de ma part de ne pas avoir refait de vidéo avant. J'ai pas fait de vidéo depuis 8 mois maintenant. Alors, il y a une période vers le début, vers le milieu vacances jusqu'à la fin des vacances d'été. L'année dernière, mon logiciel de montage marchait plus. Mais vraiment, plus. Et il ne marche toujours pas. Donc, ou je filme avec ma caméra et je fais pas de montage. Ou je filme direct avec l'application YouTube. Mais du coup, je ne peux pas mettre en pause. Donc là, je filme direct avec ça. C'est pour ça que j'ai un peu la tête. Je suis un peu allongée en fait. C'est bizarre. Bref. Donc voilà, et après y a eu la reprise de l'école, je suis rentrée au collège du coup. Je suis en 6ème, donc je suis rentrée au collège, c'était compliqué, les changements de salle, il y avait beaucoup plus de devoirs qu'en primaire. Bref, le soir entre les devoirs, la douche et tout, le mercredi matin, avant il n'y avait pas école, maintenant il y a école. Après-midi, j'ai une amie qui a eu NSS et tout, bref, il y avait l'UNSS. Et moi, je faisais de la danse, donc là, j'ai arrêté, donc j'ai un peu plus libre les mercredis. Puis maintenant, là, avec le truc du coronavirus, on est enfermé chez nous. Enfin, voilà quoi. Pendant 45 jours, on doit être confiné chez nous, sauf pour aller faire les courses au dentiste, au médecin, boulangerie, faire les courses et tout. Et il ne doit plus y avoir personne dans les rues. En gros, on doit tous être chez nous. Avant le couvre-feu de 18h. Sinon, c'est une amende. Franchement, pourquoi ça existe ce coronavirus, quoi? Bref. Donc, arrêtez de parler de maladie. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo. Parce qu'on a tous déjà eu dans les youtubeuses ou un youtubeur dans toute sa carrière de youtubeur ou de youtubeuse, on a tous déjà eu un moment où on savait plus quoi faire comme vidéo, vraiment on savait plus quelle vidéo tourner. Donc du coup on se retrouve pour 15 idées de vidéos, donc j'ai tout noté là. Elle fait une petite légende, donc genre le bleu c'est mes préférés, rouge c'est celle que j'adore, j'aime bien, bof et pas trop. Et donc du coup j'ai colorié à côté, c'est comme la couleur du truc quoi. Donc c'est parti. Une transition de merde. Donc première, donc il n'y aura pas écrit en grand vu que je suis sur le logiciel YouTube. Première idée, c'est de faire des tutos de maquillage. Donc si vous avez du maquillage chez vous, vous savez pas quoi faire, prenez votre maquillage, vous faites un tuto comment vous maquiller, ou quand vous maquillez quoi, quel maquillage vous faites, ou un nouveau maquillage. Donc vraiment, faites un tuto maquillage. C'est toujours bien. Hein. Ça plaît toujours, en tout cas pour donner des idées de make-up. Ensuite, deuxième idée, donc c'est de faire des routines, donc ça soit... Que ce soit routine du matin, routine du soir, routine de cheveux, routine beauté, routine maquillage, routine, je sais pas, des routines quoi, ça plaît toujours. En tout cas, pour moi, j'adore regarder des vidéos, par exemple, routine, morning routine ou night routine, bref, des routines. Troisième idée, c'est de faire un vlog ou une journée avec moi, donc c'est un peu pareil. Donc si vous allez, par exemple, dans un parc d'attraction ou un endroit que vous voulez filmer, même si vous restez chez vous, quoi. Mais ça peut être cool, quoi. Donc, faire une journée avec moi ou un vlog. Hein. Les deux, ça va. Moi, je dis plus une journée avec moi, mais c'est vrai que c'est pareil, un vlog et ça. Ensuite, quatrième idée, de faire un room tour de sa chambre. Donc, par exemple, quand vous êtes dans votre chambre, vous faites, par exemple, si vous avez rangé votre chambre ou quoi, vous faites un room tour. Donc, le concept d'un room tour, c'est de faire, de montrer sa chambre. Désolée, je voyais ça, c'est qu'en fait j'ai des bacs en dessous, genre là j'ai des grands bacs
Et par-dessus, en fait, en fait, c'est juste ma lampe de bureau, une trousse, des boîtes, mes cahiers de cours. Ils sont là parce que bon, il est pas rangé, mon casier. Et puis des bacs. Et ma lampe de bureau. Ouais, c'est des bacs. Donc, mais du coup, de faire un rond tour, ça peut être toujours pour montrer. Et puis, par exemple, si quelqu'un voit quelque chose de hyper beau dans votre chambre, qu'il le voudrait, il peut l'avoir ou quoi. Bref, c'est toujours plaisant. Moi, j'aime bien regarder ce genre de vidéos aussi. Alors, des vidéos attendent d'être réalité. Alors, ça plaît, mais toujours vraiment, ça plaît énormément. C'est super drôle à tourner parce qu'on s'éclate en tournant, on se tape des barres. C'est bien, c'est drôle à monter et tout. C'est hyper bien à regarder. En tout cas, moi, je sais que j'adore regarder des vidéos comme ça. C'est super drôle. Cinquième idée, ben, les challenges. Hein. What is my mouse? Quoi dans ma, ben, c'est quoi dans ma bouche? What is my mouse? What is the box? Des pranks. Plein de challenges. En fait, il y a plein de challenges qui existent. Vraiment beaucoup, beaucoup de challenges. Ensuite, sixième idée. Non, n'importe quoi. Septième idée. What is my phone? Donc, en fait, le concept du What is my phone, c'est bah, du coup de montrer toutes les applications que vous avez dans votre téléphone. En gros, de montrer votre téléphone, le fond d'écran que vous avez mis actuellement, pas votre code forcément, parce que sinon, voilà quoi, mais. De montrer les applications qu'on a sur son téléphone. D'ailleurs, je compte en faire un dans pas longtemps. Mais pas sur cette chaîne. Donc ça, c'est Manon Vidéo. Oui, il me semble. J'ai une deuxième chaîne, Manon Vidéo 2, qui est avec mon téléphone. Donc je fais beaucoup plus de vidéos du coup sur Manon Vidéo 2. N'hésitez pas à aller voir. Je compte en faire une bientôt. What is my phone? Mais bientôt. Ou non, peut-être sur cette chaîne-là parce que l'autre chaîne, je suis avec mon téléphone, mais donc je peux pas le faire. Tout le monde sur celle-là, je compte en faire une bientôt, normalement. Ensuite, huitième idée, montrer ses cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Par exemple, si vous êtes dans la période de Noël, après Noël, montrer les cadeaux qu'on a eu à Noël ou les cadeaux qu'on a eu à son anniversaire quand son anniversaire était récent. Bien sûr, par exemple, là on est en 2020, je vais pas montrer les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu en 2015. Genre vraiment, par exemple, si vous êtes né le 2 janvier, vous faites la vidéo le 4 janvier par exemple. Voilà. Ensuite, du coup, je sais plus. Neuvième idée, des hauls. Donc, si vous allez par exemple au magasin, quoi, vous montrez ce que vous avez acheté, bref, des hauls. Moi, c'est ça que j'aime bien regarder parce que des fois, par exemple, c'est fait. Alors, voici ce que j'ai acheté à Action et que, ouais, il y a des trucs vraiment j'adore et tout, je les aimerais et tout. Et je sais que quand je vais à Action, mais je sais où je peux le trouver. Ça peut aussi toujours de donner des idées de trucs qu'on peut acheter. Bref. Les hauls, moi j'aime bien en tout cas. Dixième idée. Oui, dixième idée des FAQ. Donc par exemple, la première vidéo que vous présentez, vous faites une FAQ par exemple. Quoi. Moi je sais que je compte en faire une bientôt aussi. Demander sur Snapchat. Ben, Snapchat et Instagram de me poser des questions pour faire une FAQ sur YouTube. Je compte en faire une bientôt parce que j'en avais fait une, il me semble, au tout début de ma chaîne. Alors, c'est très, 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 très vieux. Donc, mais je crois que c'était. Ben, il me semble que c'était ma deuxième vidéo, ma troisième. Ouais, il me semble que c'était ma deuxième vidéo. Il y avait la vidéo où je me présente. Ben, c'était ma première vraie vidéo, sans compter celle où je me présente. Ensuite, onzième idée, l'ASMR. Alors, ça, je sais que j'adore l'ASMR. D'ailleurs, j'espère en faire une bientôt. Il y a la machine à côté. Oui, c'est un mini pot de Nutella. Tout mignon. Et il est quasi vide parce que j'ai tout mangé. Quasiment. Par contre, c'est du vrai, vrai Nutella. Mais bon, bref. Alors, donc, du coup, l'ASMR. Douzième idée, Instagram contrôle ma vie. Alors, ça aussi, je compte le faire mettre tout au long de la journée des sondages. Donc, par exemple, ce que je mange, du riz ou des pâtes. Bref, voilà. Je compte faire ça. Ensuite, 13e idée, montrer ses fournitures scolaires. Donc, ben, à chaque rentrée, par exemple, du moment où vous commencez votre chaîne jusqu'à ce que vous l'arrêtez, chaque rentrée, vous montrez vos fournitures scolaires. Moi, je ne l'ai pas fait l'année dernière parce que j'ai complètement oublié. Parce que la toute dernière semaine, j'avais été punie d'écran. Et j'ai acheté mes fournitures
deux semaines avant la rentrée, j'ai été punie une semaine avant la rentrée. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai complètement oublié de la faire. 14e idée de vidéo des tu préfères. Donc, alors, où vous posez des questions, par exemple, vous dites sur Instagram, posez-moi des questions tu préfères. Et par exemple, tu préfères chat ou chat, tu préfères rien ou pas, tu préfères, je sais pas, crocodile ou éléphant. Ou alors simplement avec une application. Moi, je sais que sur mon téléphone, j'ai une application, donc je compte peut-être le faire. Cinquième et dernière idée, ma playlist. Donc, votre playlist de musique du moment. Vous rentrez votre playlist. Moi, personnellement, c'est sur Deezer. Mon application de musique, c'est Deezer parce que mon père a pris un abonnement familial. Bref, parce qu'on est quatre dans notre famille. Enfin, mon père, ma mère, moi, sœur et moi. Donc, on a tous Deezer. Mais je sais qu'il y en a, ils ont Deezer, il y en a, ils ont Apple Music, il y en a, ils ont Music Store. Bref, montrez votre playlist. Et donc voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires si ces idées de vidéos vous ont aidé, vous auront aidé. J'adore mon cahier. Dites-moi en commentaire si ces idées de vidéos vous auront aidé pour aider pour trouver des idées de vidéos, tout simplement. Il y a des pailles qui bougent avec vous et que je vois. Dites-moi si ces idées, du coup, de vos idées. Ces idées de vidéos vous auront aidé pour votre chaîne YouTube si vous en avez une. Ah oui, après, je sais, il y a aussi des DIY, il y a tout. Mais j'ai pris celle que je trouvais le mieux à mon goût, quoi. Celle que sûrement je ferai un jour sur ma chaîne. DIY, j'aime pas énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la filmer. Du coup, c'était très amusant. Et puis, c'est cool de pouvoir vous aider en cas de pénurie. Donc voilà, et moi, en tout cas, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à exploser le compteur des pouces bleus. Bye!